je retourne dans la grande salle où 6 cadavres sont figés dans leur sang. Curieux hasard, ils sont presque tous roux et vêtus de noir. En repassant par la petite salle, je prends conscience de l'ampleur du massacre. Une piscine de sang, une boucherie, l'odeur de poudre pique le nez, agresse les neurones, fait tourner l'esprit. Et tout ce sang, c'est indescriptible. C'est de la folie, c'est une blague. Les cadavres ont l'air d'être là depuis des heures. J'ai l'impression d'être seul ici. Quand j'étais enfant, aussi, j'avais cette impression. Que tout est décor, que tout est théâtre, que les autres n'ont pas d'âme, qu'ils n'existent pas, qu'ils sont des acteurs. Je n'ai pas de preuve que les autres sont des êtres pensants. Donc, j'ai décidé qu'ils n'en étaient pas. Et quelque part, je n'avais pas tort. Ces gens ne sont pas des êtres pensants, ce sont des figurants, des enveloppes. Leur peau, que le sang a fui, est blême et glacée. Pareil à celle des mannequins en plastique. Hier encore, ils faisaient semblant d'exister, leur mort est cohérente, met fin à la supercherie. Je suis devenu le jouet du reptile. C'est donc bien une question de quantité, d'habitude et de vitesse aussi. L'obligation de passer d'une cible à l'autre fait oublier qu'elles ont un nom, un visage, une existence, une famille. Je pense que dans les abattoirs, les tueurs ne regardent plus les yeux de toutes ces bêtes qui défilent devant eux. Ils mécanisent leurs gestes. La plupart du temps, l'animal disparaît de leur vue aussitôt. Il est dépecé, découpé, empaqueté, étiqueté et expédié à l'autre bout du monde. Au revoir et merci. Chaque balle dans une nouvelle tête fait oublier la précédente. Il m'en faut d'autres. Il faut que ça aille vite. Il faut enchaîner. Aurais-je la force de tous les abattre, de tuer plus de 500 d'entre eux, tête après tête? Je viens de laisser une énergie titanesque dans ce café. Plus jamais je ne sous-estimerai les assassins, pas même les plus débiles et les plus psychopathes. J'ai tiré une bonne 60aine de balles depuis mon débarquement, c'est beaucoup. J'ai peu de marge, c'est un combat, un vrai combat, une guerre totale. Je dois continuer, je dois assécher le recrutement du parti travailliste. Je dois associer à la mort violente toute idée de rejoindre leur rang. La politique n'est pas un jeu, l'événement n'est pas innocent, l'histoire n'est jamais pacifiste. Il faut un drame, il faut des morts. Je suis annoncé, mon public m'attend, je m'élance parmi les tentes, vers le sud-ouest, là où a disparu le gros des troupes, quand j'ai ouvert le feu. Ma décision de ne pas fouiller les tentes est déjà prise. Il y en a une centaine, j'y passerai un temps fou. J'imagine qu'il y a des poubelles de tri. Ces gens-là sont très concernés par les problèmes d'environnemental. Ce sont des écolos parce que on leur a dit que c'était tendance de l'être. Tout ce qu'ils sont, ils le sont parce que c'est tendance de l'être. Je m'approche du petit sentier. Je grimpe sur un monticule rocheux qui le surplombe. Je constate avec stupéfaction qu'une dizaine de jeunes sont couchés là, à même le sentier, contre la barrière grillagée, interdisant l'accès à la falaise. Certains d'entre eux semblent blessés. Ils devaient se trouver parmi les tentes. Pas un ne bouge. Je comprends qu'ils font les morts. Ils font les morts. Rien ne m'a jamais paru aussi stupide. Quel défaut d'instinct. Ces moutons se condamnent. Je pense qu'ils ne réalisent pas ce qu'il se passe. Ils ont préféré se terrer là, en attendant de voir. Leur moyen de s'échapper serait de sauter
par-dessus la barrière de cette hauteur, c'est la mort assurée. Je dois vite agir, ne pas leur laisser le temps de réfléchir. Du haut de mon rocher, je tire. Deux d'entre eux décident de changer de stratégie. À peine se sont-ils relevés que je les abats. Je dégaine le Glock et m'approche. Le bruit d'un tir à la tête n'a aucun équivalent. Un bruit d'implosion sourd et aqueux. À une si faible distance, la poudre s'incruste dans les visages tout autour de la blessure, comme un tatouage infecté. J'ai une pensée étrange. Je me dis qu'à mesure que ces gens meurent, je deviens immortel. Mes douilles parsèment les corps. À cet instant, un jeune a relevé la tête et m'a souri, comme si on allait faire ami-ami. Ce n'est pas idiot. La situation est tellement absurde de son point de vue que je le tue, que je lui rende son sourire. Voilà deux éventualités au moins aussi probables l'une que l'autre. Mais le reptile n'est pas fraternel et je n'aime pas cette intrusion, cette tentative de percer mon blindage mental. Je l'abats d'une balle en plein sourire. Le but du jeu, en cas de tuerie, est de ne pas se faire remarquer. À côté de lui, la poitrine d'une jeune fille allongée sur le dos semble tressaillir. Ce ne sont pas les mouvements saccadés d'une agonie. Sa trop petite poitrine se soulève brusquement par à-coup. Elle fait la morte. Derrière ses yeux, derrière ses cheveux blonds champouinés de sang, je vois qu'elle pleure. Même si sa vie est en jeu, il faut qu'elle chiale. J'ai horreur des hystériques, incapables de se contrôler. Et c'est une très vilaine, et c'est très vilain de simuler. On ne simule pas avec moi. La tête explose, le recul m'électrise, la main. La friponne émet un long et pénible bruit de respiration engorgée, comme si elle ronflait dans de l'eau. La poitrine se soulève d'un coup, se gonfle de vide, puis s'affaisse dans un suintement et ne bouge plus. Respiration stertoreuse d'agonie. Le gasp, on appelle ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imiter ni oublier. Je recharge mon Glock, bien décidé à doubler la mise pour tout le monde. Rentabilisons. Je n'ai pas charrié autant de munitions pour rien. J'ai bien fait. Je démasque un second simulateur. Allongé les bras en croix, un cadavre sur la poitrine, il est trahi par sa veine temporale qui se gonfle et se dégonfle à un rythme rapide et constant. J'allume le laser du Glock et le pointe sur cette preuve de vie. Ça m'évoque un acte chirurgical. Je ne tremble pas. La bille verte est fixée sur sa tempe. Il garde les yeux fermés, incapable de regarder la mort en face. Je regarde un peu mes cadavres, cherche à repérer des VIP, mais un mort n'a pas du tout la tête d'un vivant. Je crois que je ne reconnaîtrai même pas mon père. Ils se ressemblent tous dans la mort. Et seulement dans la mort. Nous sommes tous égaux. Une des mortes a les cheveux coiffés comme Yulia Tymoshenko. En moins réussi, ils ont l'air bien jeunes, tout cela. J'espère qu'ils avaient au moins 16 ans. Chacun comprendra que je n'avais pas le temps de leur demander un extrait d'acte de naissance. Jeunes ou pas, ce n'en sont pour moi des traîtres de catégorie B et C. Mon regard passe d'un mort à l'autre avec la curiosité d'un enfant devant un oisillon écrasé. Je n'ai plus cette acuité répulsive, ce blocage psychique qui me faisait tant douter.
je crois avoir emmagasiné suffisamment d'horreur pour surmonter à jamais mon dégoût. J'ai passé des années à m'injecter ça dans le cerveau sous forme virtuelle. Il m'a fallu quelques dizaines de vrais cadavres pour être enfin libéré de mon aversion. Après une telle dose, l'indolence est irrévocable. C'est terrible, l'habitude. Il y a quelques minutes, parvenir à abattre ne serait-ce qu'une personne me paraissait le bout du monde. Comme si j'avais rêvé de l'Everest toute ma vie et qu'enfin, face à lui, je ne pouvais plus faire le moindre pas. J'irai au bout plutôt que faire demi-tour. Les vrais alpinistes préfèrent mourir au sommet. Des bruits de plongeon attirent mon attention. Deux ou trois gros poufs. Quelque part plus loin. Des pierres, des cibles. En tout cas, ils n'iront pas loin. Au moins cela applique mon plan. L'espèce humaine est théoriquement généraliste. Nous savons courir, sauter, nager, grimper, ruser, nous battre, nous cacher. Question adaptation. Nous sommes plus polyvalents que n'importe quelle autre espèce. Je suis stupéfait par la passivité des cibles que je viens d'abattre. Je pensais les réveiller, les faire courir, les faire se jeter à l'eau massivement, leur rendre des réflexes de l'instinct, de la vie. Les plus atteints sont incapables de mettre un pied devant l'autre. Depuis combien de temps n'ont-ils pas eu peur? Leur morale a mangé leur cœur et leur âme. Je leur rends la peur qu'ils ont désapprise. Je leur rends quelque chose d'humain, une sorte d'éclair rédempteur avant la mort. Ils ont vécu en chèvre, en zombie, ils mourront en humain. Leur reptile, lui, est sans doute mort depuis longtemps, intoxiqué par toutes les saloperies qui lui ont fait avaler. Ils n'ont plus que leur logiciel externe qui recommande au système d'attendre la fin du bug Breivik. Et les autres? Une douzaine? Pourquoi restent-ils là tous? Le plan? Ce que vous plongiez? Je crie. Vous allez tous mourir aujourd'hui, marxistes! Bien stable du haut de mon rocher, je les mets en joue et bloque mon souffle. Ils tombent sous mes balles. Je les cloue à la roche. À cette distance, je dois m'assurer qu'ils ne se relèveront pas. Frappés comme chaque coup à plusieurs reprises. Moins précis, mais tout aussi radical. Guerre psychologique. C'est un aspect important de mon plan. Il y a quelques jours, je pensais me coudre une croix gammée sur la poitrine, le symbole du mal absolu, blasphème redoutable en Norvège. Ça aurait terrorisé tout le monde, mais c'était du pain béni pour les médias. Ils auraient fait de moi un nazi. J'épaule mon fusil, son visage apparaît dans la lunette de visée. « Ne tirez pas !» Il ne supplie pas, il me demande de ne pas le tuer. Je dois dire que ça m'impressionne. Ça me fait hésiter. Il y a son look. Certains utoïstes semblaient plus gauchistes que d'autres. Lui, il a l'air d'un mec de droite égaré. Des signes ne trompent pas, la coiffure, le visage, le regard... Ce gosse me ressemble, je me vois en lui, ce type est encore jeune, il a le temps de s'apercevoir qu'il a un cerveau et peut-être qu'il se cache la vérité, et comme je l'ai fait pendant des années. J'ai baissé mon arme et je suis reparti. Je n'allais quand même pas me tirer dessus. Cette île regorge de planques. La fouiller prendrait du temps. Où aller? C'est exactement comme dans un jeu vidéo. Je n'aime pas trop
avoir de choix. J'aime pas avoir trop de choix. Rien de plus pénible que d'être face à plusieurs portes. Frustré, je me tourne vers l'entrepôt rouge de l'autre côté de la piste. Cette fois, je parviens à lancer mon fumigène à l'intérieur. Aucun bruit, personne ne sort, sauf un chien. Il se met à courir autour des maisons, affolé. Je ne peux pas lui tirer dessus parce que ça paraît fou à dire. Je sais que si j'abats ce chien, les médias me diaboliseront. Ce monde est dingue. On peut y massacrer des dizaines de personnes à condition de ne pas blesser le toutou.